pré-générique. Nom masculin, familier Pré-Gène. Courte scène d'introduction qui précède le générique d'un film ou d'une émission de télé. Souvent scénarisé, le pré-générique d'une émission télé est rarement ce qui se passe en vrai avant le générique, séquence qu'on ne montre jamais aux téléspectateurs pour des raisons de « on sait pas bien pourquoi ». Mais là, voici un vrai pré-générique, soit ce qui s'est vraiment passé en plateau avant le générique de cet épisode de Burger Quiz. Enfin, pas tout, parce que sinon c'est trop long et qu'on a quand même des contraintes de télé, de timing et des horaires de programme à respecter et il s'agirait de ne pas trop perdre de temps à expliquer des trucs hyper longs pour rien non plus. Enfin bref, voici le pré-générique. Ça démarre fort, hein, les mecs. Hein, ça ouais, direct. On va suivre. Moi, j'ai très peur de Dominique. Très. Mais non, moi, j'ai peur de toi, Marina. Non. Sans t'en vouloir, mais je sais que c'est toi... C'est pas la bonne formule, non, sans t'en vouloir. Ouais. Sans ton vouloir, ça veut rien dire. Sauf ton respect, ouais. Avec ton sans respect. Camembert, ça veut... Avec tout le respect que j'ai pour toi, ouais. C'est pas toi qui me fais le plus peur, car tu es un homme honnête. Ah bah moi, je suis sur tout ce qui est... Ah, t'es malhonnête, toi. Je suis pas du tout sur les réponses. Malhonnête et perfide. Mais je ne sais rien. Non, tu sais des choses, mais t'es de mauvaise foi, pire que moi. Ah oui, non. Non, autant. Ça se discute. Non. Ça se discute sur la mauvaise foi, on va discuter. Autant. Tu l'as inventé, la mauvaise foi? Non. Bah si. Avant ça, ça n'existait pas. Le dictionnaire, mauvaise foi, c'est marqué voir Farrugia. Non. Pasteur a inventé la mauvaise foi et le vaccin. Non, je te jure.